Et bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 411, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sword Art Online Holo Fragment. Et on est parti aujourd'hui, cette fois-ci, donc pas sur un étage hein, mais on va avancer un petit peu la holo map hein, parce que du coup je suis quasiment mine de rien à la fin hein, donc comme vous voyez je suis ici. Et donc moi j'ai déjà accès à ce point de TP, donc on a commencé je pense vers là. Donc il nous reste vraiment plus grand chose pour pouvoir atteindre le boss final. Et en vrai, je proposerai d'abord des vidéos sur ce jeu, enfin sur cet endroit avant de vous montrer la vidéo, donc de vous faire la vidéo sur le 80, enfin sur le centième étage, hein, parce que je crois que le 99 est sorti, si je dis pas de bêtises. What the fuck, ok, d'accord, on a une bestiole bien dégueulasse qui apparaît là. Ok, j'étais pas prêt pour ça, mais bon d'accord, ok. Ok, on valide Bolteiku, donc ça c'est un des boss qui apparaît quand même. Quand, bah, comme plusieurs fois, il y a eu des boss qui ont paru dans plusieurs endroits différents. Donc là, du coup, en vrai, c'est plutôt pas mal. Alors, attendez, oula. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ok, alors, attendez, vous savez quoi? On va faire quoi? Hop, on va se booster un peu. Hop. Comment ça, toc, toc? Ah, c'est parce que j'ai plus de... Ok. C'est parce que je n'ai plus de SP. Allez, 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 hop. C'est bon, voilà. Ok, c'est parti pour lui fighter le cul. Donc ça, en fait, il y a eu déjà plusieurs boss que j'ai fait. Il y avait eu un dragon, donc à la tour, comme j'avais déjà dit plusieurs fois dans les vidéos. On avait eu même le boss du premier étage, hein, le boss qui fait que c'était un kobold ou je sais pas quoi, avec ses petits monstres. On avait eu cet endroit dans un boss, donc en vrai, c'est plutôt sympa. Et du coup, si je voulais vous proposer ces missions, donc le truc supplémentaire... What? Ah d'accord, ok, donc il est en train de faire quoi? Il va se transformer? Il y a une deuxième forme? Non. Attends, il se barre? Ah d'accord, il s'est barré! Oh mais c'est dégueulasse! Bon, alors attendez, parce que du coup, je suis un tout petit peu perdu sur la holomap. Donc, ok, donc là, en gros, je dois aller ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais visiter ces deux endroits-là, tranquillement. Mais, donc, alors, attendez, il faut que j'aille au Clutch of the Dark Record. Donc, on va aller d'abord ici, Clutch of the Dark Record. Ok, c'est juste ici. Mais dégage-toi. Donc là, en fait, je dois tout simplement suivre les indices qui montrent... qui me disent, hein, donc, après, si vous êtes perdu, vous avez juste à regarder l'event list qui apparaissent ici, mais donc du coup il faut juste aller rebuter je pense l'autre créature. Attends, c'était marqué quoi? Ouais, ça doit être un truc comme ça. Donc déjà faut que j'aille par là. Et donc ouais, du coup si je vous propose cette tenue, parce que déjà on va arriver quasiment, on pourrait quasiment dire que c'est le boss final hein, je pense. Là on y est presque. Maintenant je pense qu'il faut que je remonte. Attendez, par la droite. Ouais, il faut que je remonte ici à Course of the Apprentice. Et ça doit être là-bas, donc il faut que j'aille par ici. En vrai, cette zone, elle est plutôt jolie. Plutôt jolie. Donc, comme je le disais, en fait, parce que je suis en train de me perdre dans toute la vidéo. Donc, je dois... Enfin, je veux surtout... Ah, il y a des araignées dégueu. Montrer, donc, le boss de cette zone-là. Donc, déjà, ça me permettre de pouvoir sauver une personne. Donc, c'est... Bah, je vais pouvoir sauver, tout simplement... merde, comment elle s'appelle, déjà? Philia, voilà, je vais pouvoir sauver Philia. Et bah déjà, pouvoir la sauver, c'est plutôt cool, parce que je pourrais la débloquer pour faire les étages suivants. Et si je dis pas de bêtises, j'avais vu donc sur internet, comme quoi si je débloque Philia, quand je referai le boss final, donc de ce que j'avais vu dans un forum, si je refais le boss plusieurs fois, donc le boss final, que je ne sais pas encore à quoi il ressemble, mais je pourrais débloquer donc Yuki aussi, Yuki, je pourrais débloquer Yuki. Qui pourra me suivre après dans mon aventure. Donc là, ça va être plutôt sympathique. Oula, mais casse-toi, là. Il y a vraiment des monstres un peu chelous. Alors, attends, tu me casses les couilles, là. Voilà, forcément, je suis en train de finir de monter mon épée à une main. Je suis à plus grand-chose de pouvoir le passer 1000, hein. Là, je suis 947, hein. Je suis vraiment proche de la fin. Donc, en vrai... Ça va être très sympa, je pourrais enfin utiliser l'épée que utilise ma petite Strea du coup. Pourquoi je lui fais pas de dégâts là, what the fuck? C'est quoi cette merde?
Attends, je sais bien qu'il est 133, mais quand même. Miss, 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 miss. Non, mais c'est abusé, là, par contre. Mais ta mère, laisse-moi te tuer. Enfin. Le mec, il a esquivé tous mes coups, juste parce qu'il a 3 niveaux de plus, quoi. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir? Oh là, il va falloir que j'aille jusqu'à là-haut, là. Ah bah voilà, le retour de l'autre grosse bestiole. Est-ce qu'elle a retrouvé ses points de vie, Max? Ah, attendez, hop, on va se booster. Par contre, calme-toi, s'il te plaît. Hop. Merde, attendez, hop. Ah, j'ai déjà plus d'énergie. Ah! Attends. Si, si, c'est bon, je retrouve de l'énergie. Et quoi, c'est 300 celle-là ou quoi? Bizarre. Attendez, parce que du coup, je mets encore d'autres boosts. Voilà, c'est parti. Oh, bâtard. Ah d'accord, il a retrouvé tous ses points de vie, ok, pas de soucis. J'allais dire pourquoi je lui fais pas de dégâts. Là. Wesh, calme-toi là. Il m'a stun l'enfoiré. Je fais plus bouger. D'accord, ok, tu fais mal. Vas-y, utilise des gros skills s'il te plaît. Hop. Qu'est-ce qu'il fait là? Oula. Ok, il a sauté comme une brute. Par contre, j'ai l'impression d'être ralenti de dingue, là. Qu'est-ce qui se passe, hein? Allez, ma petite! Voilà, défonce-le, s'il te plaît, voilà. God save the queen! Voilà, bam, bam, bam. Ah, ses points de vie, ils descendent pas beaucoup, là, par contre, hein. Mais vraiment, c'est une sale bête, hein. Là, il va sauter. Trop tard. Aïe, aïe, aïe. Attends, je vais me soigner, là, parce que... J'ai pris... Ouais, mais je suis ralenti de ouf. Ok, ok, ok. Et ta mère. Il m'a encore stun. Non, c'est bon. Il m'a plus stun. Par contre, il va pouvoir sauter, voilà. Ah mais d'accord, en fait, l'autre compétence, c'était une truc pour bloquer, d'accord, ok. La prochaine fois, je vais le faire, dès qu'il sautera. Hop. C'est bon, il va me lancer, voilà, du poison, j'en étais sûr. Attendez, il va bientôt sauter. Reproduction. Quoi? Tu me branles là que... Oh oh, là il saute. Non, ça va pas marcher, je l'ai fait beaucoup trop tôt. J'ai l'impression qu'il va me qu'il m'a balancé des œufs derrière moi pour Ouais, par contre, ouais, attendez, je vais détruire ces œufs là. Hop là, voilà, parfait. Je me dis que c'est pas bon s'il y a des trucs qui éclosent là-dedans là. Ok, c'est bon. Là, j'ai bientôt plus de points de vie, là. Faut faire quand même très attention. Je vais lui demander, voir si elle peut me heal ou quoi, je sais pas. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce bug? What the fuck? Non, 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 je vais pas mourir, je vais pas mourir. Laisse-moi tranquille. Houston, Houston. Attends, mais en plus elle est complètement buggée, c'est quoi ce délire? Ah c'est bon, elle est revenue à sa place. Oh, d'accord. C'est bon, je peux enfin me re-soigner. Bon, je sais que maintenant si elle passe jaune, c'est qu'elle va attaquer à distance. C'est quoi ça? Mais dégage toi! Ok, ok. Ah bah je pensais pas tomber sur un bête de base dès le début, hein, mais j'aurais pu lui faire bien plus mal avec mon double épée, mais vu que j'ai bientôt fini avec celui-là, je pourrais passer avec des grosses épées, là.
Non, c'est bon, tu sautes quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Non, j'ai cru qu'il allait se soigner. Ah, il va se rebarrer, ça y est, il a perdu 2 barres de vie. D'accord, donc là, maintenant qu'il a perdu 2 barres de vie, il se rebarre. Ok, d'accord. Pas évident le combat contre lui, là. Hein. Donc là, est-ce qu'il va se barrer jusque encore plus loin, là? Attendez, on va voir ça. Bon, alors, toi, tu me casses les couilles, là, tu dégages. Bordel de merde. Oh, j'ai encore son poison dans la gueule, quoi. Alors, attendez, où est-ce qu'il est, du coup? Là, oh, la map... Ok, c'est bien ça, il est encore plus loin. Donc là, il faut que je prenne le passage ici. C'est juste là, en face. C'est bon, je... Ouais, non, c'est bon, je m'habille qui remonte tranquillement. On va enfin pouvoir terminer. Je pense qu'en fait, à chaque fois qu'il perdit une barre de vie, il se barrait. Et du coup, vu que là, c'est sa 3e barre de vie, je vais pouvoir enfin le finir. Ce qui me permettra d'avancer après dans l'histoire. What the fuck? On voit que dalle. Oh, c'est horrible. Waouh, ça fait flipper même. Attendez, parce que là... Ok, faut que j'aille jusqu'à là-bas. Ok, alors on se dirige vers son antre maintenant. Là, on rentre directement dans une sorte de donjon. Hein. C'est quasiment là à chaque fois que j'ai affronté les boss. Et du coup, normalement, il devrait apparaître ici. Oui, il va apparaître tout au bout, j'ai l'impression. Parce que là... On voit, il y a une sorte de symbole violet là-bas. Mine de rien, c'est quand même super joli, je trouve. Par contre... la Queen Chamber, d'accord, bon bah c'est... Oh, qu'est-ce que cette merde, là, il y a un poisson avec des épées. What the fuck, le délire, quoi. Attends, hop. Tu dégages. Voilà, merci. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à aller voir le boss. La chambre de secret. Bouge pas ma petite, je vais bien te botter le cul. Ah ça y est, si, c'est là-bas. Ah bah alors, ça y est, tu reviens? Oh oh oh. Elle a l'air énervée, sauf que là je vais lui botter le fion. Ok, bon. Oui, ok, je sais que c'est pas une... Hop. Alors, attendez, on va se remettre quelques boosters. Merde, c'est pas ça. Laisse-moi tranquille! Ça y est. Ok, c'est bon. Oh! Le réflexe, que j'ai réussi à le bloquer sans faire exprès. Ah non, 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 il va sauter, je suis dans la merde. Ok, c'est bon. Bon, j'ai réussi à lui bloquer un tout petit peu, mais bon, là maintenant, on est parti pour le tuer. Hein. Oh, mais c'est infernal ce stun. Mais ça va, stun, re-stun, destun. Il s'amuse avec moi le truc. Allez, ma petite. Stréa là, vas-y, botte lui le cul là. Ouais, il va sauter. Oh, ça a 600 points de vie, en vrai c'est pas mal. J'aurais pu prendre beaucoup plus de dégâts. Ah, par contre son poison va me bouffer là. Oh, je lui fais pas mal de miss par contre. J'aime pas trop beaucoup ça. Attendez, je vais faire ça, voilà, comme ça. Oh là, oh là, oh là. Oh là, son poison est en train de me manger les coups. Attendez, attendez, est-ce que là... Ah! C'est bon, c'est bon. Parce que là, son poison, là, il me met super cher. Hein. Ça m'enlève tellement de points de vie, sa merde, là, c'est hallucinant. Il faut que j'essaie, en fait, d'esquiver son poison, là. Je vais essayer de la jouer fine, là, parce que c'est vrai que sinon... Je vais continuer à prendre très cher. C'est pas ce que je veux. Oh, mais je le touche même pas! Allez, hop, grosse attaque.
Ah, heureusement que ma Stria, mine de rien, elle le défonce, quoi. Là, il est complètement bloqué, là. Ok, je crois que je l'ai... Non, c'est bon, j'ai pas mis la compétence pour me soigner au cas où. Je l'ai gardé. Regarde, il va sauter. Attention, je l'ai pas touché. Allez, on y croit, on y croit. Oh, il se fait tellement combo qu'il a pas le temps d'invoquer ses œufs là. Voilà, maintenant il passe au rouge. Non, non, c'est vrai, il est pas passé jaune pour sauter. 26 000. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? C'est Stray qui fait ça là? Ah vache, mais elle le défonce, c'est abusé. J'ai hâte d'avoir son épée, hein, parce que là, ça va vraiment tout cartonner, hein, je vous le dis. Hein. Non. Hop là, je t'esquive, tu fais quoi maintenant, hein? J'ai réussi à lui bloquer son coup. Le pauvre, il bouge plus, quoi. Stray, elle l'a complètement bloqué, quoi. Et il est pas mort, hein. Allez, un petit coup d'épaule. Hop là. Petit coup d'épaule. Voilà. Tu dégages, sale bête. On a réussi. Parfait, parfait. Bon, ça va donner des holopoints, mais je sais pas ce que je voulais, moi. Ok, d'accord. Par contre, la gemme s'est activée, donc ça va me permettre de débloquer une autre porte pour plus tard, je pense. Ok, et en plus, du coup, il y a des trophées aussi par rapport à ce genre de boss, hein. Parce que du coup, moi, je vais essayer de tenter de faire le platine. Bon, alors, du coup, on va passer le dialogue avec elle. Bon, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'ai été dans la boutique de Hagil, parce que du coup, on m'a dit que c'était le boss final. Alors, du coup, on va devoir y aller... Et, bah d'accord, en fait, je suis obligé d'y aller avec elle, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Parce que là, on va devoir affronter le boss final. Ah, bah voilà, enfin. Je savais pas où est-ce que je devais aller. Mais c'est bon, j'ai enfin débloqué le premier truc, alors, non? Oh... Last Dungeon. Donc là, c'est pour vraiment la fin du donjon, d'accord. Ok, alors vous savez quoi? Ce que je vais faire... déjà, je vais prendre le point de TP qui est derrière moi. Bon, non, vous savez quoi? Ce que là, pour l'instant, je vais faire, c'est que je vais m'arrêter ici. Et on va se garder le boss final, je pense, de l'area... Enfin, tout simplement de l'eau area. Et on se dira donc, du coup, pour le prochain épisode. Alors, donc, d'ici là, portez-vous bien et... A plus tout le monde.